Allez. Le truc, c'est que tu peux pas faire exactement pareil parce qu'il va pas invoquer au même endroit. Déjà, pour sûr. En plus, le jeu, il lag, histoire que ce soit bien, bien sympa. Ah, le bouffe-tout est plus dangereux, je trouve. Hein. Là, j'ai encore un tour devant moi. Faudrait que j'arrive à le tuer en deux tours, lui. Prochain à jouer, c'est lui. À la limite, je fais ça, ça, ça. Alors ça, ça coûte 4 et on va mettre un kelp. On va tanker un premier coup. Bonjour Akumei. Ça c'est dommage. Parce que là... Prochain à jouer c'est lui. À la limite, j'aurais peut-être dû le mettre en boosté. Si on fait ça, on récupère un truc à 3 PA. 3 PA, c'est assez pour mettre celui-là. On va mettre juste ça au pire. Dommage. Dommage d'avoir invoqué le Verac. Le prochain à jouer, c'est lui. Sauf que là, je peux pas l'empêcher de... Je peux pas l'obliger, en fait. Je peux faire ça. Un rappel de l'esprit. Et un... Si, si. Allez, lui. Oh, il a une IA à focus le boost. Ok, pourquoi pas. Je vais mettre un kelp. Et un red PM. Alors, il n'a pas encore ici du red PM. Il en faudrait au moins un là. Sauf qu'il y en a un ici. Et on n'en a pas ici. Ok, très bien. On a du red PM sur toutes les cases sauf la case, sauf la ligne là. Mais pour l'instant, il n'y a pas de mob, donc ça va. Donc là, le prochain à jouer, c'est lui. Donc si on fait ça, ça, voilà, plus ça. C'est marrant qu'il se met à taper du 10 alors que tout à l'heure il tapait du 6. J'aurais dû faire compression, je pense.
déjà du Red PM ici, j'ai déjà du Red PM ici. Le one shot il se fait là. On a besoin de dégâts ici. Et on n'a pas de Red PM là. Tant pis. Pour l'instant, tant pis. Est-ce que le Vérac, il peut tanker un coup du Prespic qui one-shot s'il est boosté? On va faire un rappel sur le Geomus pour remettre un Kelp à la place ici. Après, c'est... j'ai déjà un Red PM ici, donc c'est pas très grave. Bon, du coup, lui va mourir pour sûr. On va faire un rappel de l'esprit. Kelp. Vérac. Oui, c'est à 17h la crèche. On est pour 5-10 minutes à descendre à pied, c'est pour ça que j'ai relancé un try vite fait. C'est pour ça que j'essaye de jouer vite. J'ai déjà du Red PM ici, et le prochain à jouer, c'est lui. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va maximiser ça. Oh, remarque, on peut faire ça, ça, ça. Un rappel de l'esprit. À 16h30, c'est mon rappel en mode à partir de là, lance plus rien, tu vois. En mode si jamais c'est trop long. Mais là on sait que c'est un try qui dure 15 minutes max. Du coup on est bien. On a un Vérac. Quoi faire? Je pense qu'on peut pas ce tour. Pour éviter d'invoquer un Vérac pour rien. Il a mis un chauffeur. Le prochain à jouer, c'est lui. Donc, tac, tac. Tac. Booster. Et pas de rappel de l'esprit pour l'instant. Boosterer le Vérac. Tard. Si je lui mets la source de puissance sur le Vérac, ça fait quoi? Ouais, il gagne des points de vie. Ok. Nori, boost. Et ensuite Vérac. Et Rox. Get blocked. On va faire ça. On va mettre un kelp. Un cyanog. Une source de puissance. C'est peut-être con ce que je viens de faire. Parce que je pense qu'il faut que je le garde. C'est ça, Premx. Effectivement. Et forcément, il est venu là en plus, lui. Bon. On va pas faire un rappel parce que c'est pas mal de l'avoir là. On met un Vérac ici. On met un Red PM ici. Si j'avais fait un rappel de l'esprit plus Nori, ça aurait été mieux.
Tant pis. Je remplis la map. Ils sont partout. Là, tu me diras, c'était bénef en vrai. Rappel de l'esprit pour rien. Premier à taper, c'est ça. À la limite, ça peut être pas mal de faire ça, ça, ça. On lui met ça. On lui met ça. On remet un petit kelp des familles. Rappel de l'esprit. Ici. J'aurais dû faire un compression. C'est chier parce que t'es le premier à jouer, ils vont tuer le Vérac. À jouer, c'est lui. Deuxième à jouer, ça sera lui. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. Ça, 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 ça. Tu fais le challenge kill sans larme. Il y a un challenge kill sans larme? Tu kills sans le spell l'arme à chaque fois? Ah d'accord. C'est que t'es vachement bon sur le mode à mon avis. Ouais, c'est un kelp. Ça c'est un cyanog, j'ai rien d'autre sous la main. Du coup, ça va bien faire péter. Il va faire péter ça avec le Vérac. Ça va faire de bons dégâts ici. On n'a plus de dégâts à fournir là, donc il restera un presque. Il reste donc un Prespic. Un Prespic qui ne va pas mourir des dégâts si je ne fais pas ça. Donc hop. Hop. On va remettre un kelp. Tac, j'ai eu le temps de jouer. Donc Fury aussi elle prend le Red PM, c'est marrant ça. Elle fait quoi elle par contre? Ah oui c'est... Elle one shot. C'est ça son concept à elle. Ah bah là oui, je vois pas dans quel monde je meurs, hein. Même si elle les tue tous un par tour, je pense que j'ai l'arme avant qu'elle finisse. Hein. Ah oui d'accord, elle one-shot vraiment. Elle révoque. GG, non? Ouais, on est d'accord. Hein. Il est... Boum!
Deux ou trois tries, je sais plus. Merci pour le GG. Alors, il faut parler à l'âme de Fury, mais je vais regarder un truc rapidement. Parce que faut pas que je termine la... je peux pas terminer la quête là, à mon avis. Effectivement, on parle à l'âme de Fury, on parle à Meriana, on parle à Aquabrial. Ok, demain, les amis. Demain, on récupère notre Dofus turquoise. Mais il est 16h41 et il est l'heure pour moi de vous laisser là-dessus. Donc, pas de récupération de Dofus turquoise pour aujourd'hui.